Salut à tous, Néo Anderson pour Endgames.com. Ce soir, je vous présente Submerge, un jeu développé par Uppercut Games, une petite équipe de 6 personnes. Ça sort sur PlayStation 4, PC et peut-être Xbox One, il faudra qu'on vérifie. En attendant, c'est un soft purement indé. Autrement dit, petite équipe, petit moyen, mais mine de rien, grand jeu. On va vous expliquer pourquoi. Donc, on teste le jeu sur PlayStation 4. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu d'abord un code PC. Le test écrit sera fait sur PC. Mais notre rédactrice, Lady Disturbed, est tellement tombée amoureuse du jeu qu'elle m'a donné envie à moi, en tant que rédacteur en chef, de vous en faire le vidéo test. Bien évidemment, j'allais pas courir jusque là où elle habite, lui prendre son PC pour faire le vidéo test. Donc, j'ai acquis le jeu carrément sur PlayStation 4 pour pouvoir vous en parler. Les versions sont sensiblement les mêmes. Écoutez un tout petit peu cette musique. C'est tout en nappe, un petit peu éthéré comme ça. Beaucoup de piano, beaucoup de mélancolie, un monde dévasté par un énorme raz de marée. Donc vous allez apprendre l'histoire petit à petit via la jeune fille que vous allez contrôler. On va continuer la partie. Donc on a terminé le soft, comptez environ 3 heures, 3 à 4 heures pour terminer le jeu une première fois. Il y a des trucs à débloquer, bien évidemment. On peut aller jusque 5-6 heures de jeu en cherchant pour vraiment débloquer pas mal de choses. Le principe du soft est simple. Vous êtes à la dérive sur une barque avec votre frère et vous allez en fait accoster sur un refuge de fortune, une espèce de temple dans lequel vous allez en fait déposer votre frère et tout au long du jeu, vous allez devoir chercher des kits de secours pour pouvoir soigner votre frère, l'empêcher d'être attaqué par les moustiques, désinfecter sa plaie, lui donner à boire, le chauffer, etc. etc. Il y a 10 kits de secours à récupérer. Comme vous voyez, les temps de chargement sont super longs. Heureusement, il n'y en a qu'un seul. On va vous montrer tout de suite où se situe votre frère et vous expliquer un tout petit peu en quoi consiste Submerge. Alors, voyons voir. Oh, bah, c'est magnifique, je démarre pile poil d'ici. Hop là. Alors, frérot, où es-tu ? Par ici. Et on reviendra ensuite juste ici pour vous présenter un tout petit peu de gameplay, de recherche en ce qui concerne les boîtes de secours. Donc, comme vous pouvez voir, dans Submerge, on ne nage pas, on navigue. Je baisse un tout petit peu le son pour être certain qu'on m'entende bien. On navigue sur un radeau qui est customisable. Donc, vous voyez en bas à gauche une petite jauge que je peux donc activer avec L1, qu'il me fallait un peu plus vite. Ce sont en fait des petites hélices que vous allez ramasser ça et là dans l'aventure. Vous voyez sur la carte, il y en a encore deux que je n'ai pas récupérées. Celles qui sont en grisé, c'est celles que j'ai récupérées. Pour améliorer votre bateau. À côté de ça, eh bien, vous allez devoir en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce monde submergé par les flots. En récupérant des petits livres d'histoire. Alors, voilà, gros bémol. Il y a des lags entre certaines zones. Alors oui, il n'y a pas de temps de chargement violent, mais il y a vraiment des lags qui sont parfois assez disgracieux. Ça, c'est l'un des bémols du soft. Alors, où j'en suis? Ici, à gauche, voilà. Autre petit bémol, tant qu'on en a parlé des points négatifs, il n'y a pas de mini-carte. Donc, du coup, il faut à chaque fois passer par carré pour savoir où vous vous situez. Un petit peu embêtant. On va accoster. Voilà, vous voyez les lags dont je vous parlais. C'est parce qu'en fait, on passe d'une zone à l'autre. C'est pas dérangeant en soi dans le gameplay parce qu'il n'y a pas de combat à proprement parler. Mais voilà, un petit peu dommage. Voilà votre frère, dans cette espèce de temple où vous l'avez déposé. Ça fait penser un tout petit peu à Shadow of the Colossus, pour ceux qui l'ont pratiqué, où vous déposez en fait votre bien-aimé et tentez de la ressusciter en battant différents dieux. Donc vous la déposez dans un temple, et ce temple est vraiment le lieu où vous retournez à chaque fois que vous avez battu une divinité. Ici, point de divinité à abattre, plus des énormes structures en pierre, donc des immeubles, des hôpitaux, des buildings entiers à gravir pour atteindre les boîtes de secours qui sont un petit peu planquées aux quatre coins de la map. On en a déjà récupéré 6.
À côté de ça, donc, de ces kits de secours, on vous avait parlé des bouquins à récupérer. On les retrouve ici, avec la touche R1. Ça nous raconte en fait l'histoire de la ville. Vous voyez qu'il y a des petits manquements. Forcément, donc, vous voyez une canicule. Après, on ne sait pas trop ce que les humains ont fait. Ils sont tassés. Ensuite, l'orage est arrivé, la pluie est tombée en masse. Il y a eu des raz-de-marée, les gens étaient submergés, etc., etc. Apparemment, un éclair a fendu le sol. Bref, voilà. On vous explique tout ça avec des dessins d'enfants. Une fois que le raz-de-marée est passé, on suppose que la nature a repris ses droits. Mais le scénario n'est raconté que par là. À part l'héroïne qui parle une fois au début de chaque chapitre pour dire ce qu'il lui faut pour soigner son frère, là est le scénario, des petites vignettes. Donc c'est assez imagé. Et au final, c'est plutôt bien fait, puisqu'on se crée un peu notre propre histoire. Également, l'histoire personnelle. Donc là, on a quand même beaucoup plus de vignettes. Donc vous voyez que voilà, le raz-de-marée est arrivé, on a heureusement été sauvés, nos parents allaient bien, mon père apparemment est parti chasser, il est mort. Ma mère est devenue alcoolique, elle nous a chassés de la maison, etc. Elle a blessé mon frère. Et voilà. On en est là, à ce point-là de l'histoire, on est environ 1h30 de jeu. On a recommencé. Il y a 8 créatures différentes à voir, donc il faut quand même les observer longtemps pour les récupérer. Et 8 monuments relativement impressionnants. À chaque fois, des vignettes. Donc c'est hyper imagé, mais mine de rien, ça apporte un petit peu au côté poétique du soft. Bon, tant qu'on y est, le soir va tomber, ce qui va être plus difficile pour le vidéotest. Mais en attendant, vous voyez que les vagues sont super belles. Le moteur physique est vraiment assez incroyable. Les reflets sont magnifiques. Par contre, l'animation de l'héroïne, elle fait un petit peu pitié. Donc on dirait qu'elle marche sur la pointe des pieds, qu'elle flotte même, voilà, sur le sol. Elle est hyper lente, les mouvements sont super raides. C'est une catastrophe. On sent que c'est un jeu indé, mais ça enlève quand même pas mal de charme au titre en lui-même. Parce que ça casse un petit peu l'immersion d'avoir une héroïne qui soit aussi mal animée. Regardez-moi ça, regardez ses bras. Voilà, ça c'est pas naturel. Donc voilà, autant le moteur physique pour l'eau est magnifique, autant les vagues sont superbes, les effets de lumière splendides, il n'y a pas des masses et des masses d'aliasing, autant on a l'impression que tout le budget est parti dans le moteur physique. Résultat, bah, les personnages n'ont pas eu le même soin. C'est un petit peu dommage. On a également accès dans le soft à une longue vue qui permet en fait de zoomer sur certains éléments du décor, comme ceci, voilà, et surtout de repérer les points d'intérêt qui peuvent être des kits de secours, aussi bien que des bateaux en perdition qui vous donnent leurs hélices pour aller un peu plus vite, comme ceci. Ou alors, on peut également trouver des bouquins à distance. On va retourner là où on devait aller, donc ici à gauche, ça va être super. Voilà. On va essayer de prendre d'un bateau une petite hélice. C'est toujours embêtant de passer par cette carte parce qu'en plus l'héroïne s'arrête. Donc du coup il faut à chaque fois démarrer. Alors, en plus d'un cycle jour-nuit qui est assez bluffant, le jeu se paye en plus luxe d'intempéries. Donc on a énormément de vent par moment, regardez-moi ça. Les arbres, c'est hallucinant. La pluie qui va tomber d'un coup. Voilà. C'est incroyable. C'est superbe. C'est fait par 6 personnes, il faut bien s'en rendre compte, quoi. C'est vendu pas cher sur PlayStation Network. Regardez-moi ces bestioles. Et voilà, une cinquième bestiole récupérée. Voilà, c'est vendu pas cher sur PlayStation Network. C'est beau, c'est fluide malgré quelques lags entre les zones. Ça impose de la rêverie, en attendant forcément des titres aussi incroyables que The Last Guardian. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est hallucinant. Avec tous ces bruits qu'on peut entendre aux alentours qui donnent vraiment vie au jeu. Je peux simplement trouver un immeuble, d'en avoir un là, où je vais pouvoir grimper. Malheureusement, le soir va tomber, donc je vais me permettre d'augmenter la luminosité de la caméra, sinon on ne verra plus rien. Parce que le soir est tellement bien fait que, ben voilà, on n'y voit pas toujours grand chose. Désolé pour cette petite coupure. Voilà, avec ça on devrait y voir un petit peu plus clair. Même en pleine nuit. J'ai plus qu'à trouver la structure sur laquelle se trouve
Ah bah regardez, elles sont identifiées par des drapeaux. Là j'en ai une. Voilà, vous voyez, je repère. Boum, lui ajouter à la carte. Donc voilà, on repère comme ça des bouquins, des hélices ou des structures principales. Et c'est parti pour la phase d'escalade en tant que telle, qui est relativement simplifiée. Là, j'ai repéré encore un lieu emblématique. L'escalade est très simplifiée, donc il ne faut pas appuyer sur des boutons, uniquement sur la manette. Il faut simplement trouver un endroit où accoster, comme ceci, voilà. Hop. Il faut vraiment jouer au casque. Hein. Parce que le souffle du vent que vous entendez là, dans le casque, c'est hallucinant. On s'y croirait. Donc, niveau mouvement, c'est pas compliqué. Haut pour aller vers le haut. Bas pour descendre une structure. Gauche et droite pour s'élancer d'un point à un autre. On ne peut pas s'élancer de n'importe quel point. Comme ceci, vous voyez, c'est pas possible. On n'est pas non plus idiot. Mais on peut s'accrocher à différentes petites plateformes comme ceci. Celle-ci, on peut marcher dessus ou se mettre en position « je me tiens par les bras ». Ici, je dois me mettre en position « je me tiens par les bras » hop, et avancer. Tout ça se fait uniquement avec le stick de gauche. Vous voyez ? Alors, les mouvements ne sont, sont pas super naturels. Ils ne sont pas hyper immersifs. Mais d'un autre côté, on ne se prend pas la tête. Il est quasiment impossible de tomber d'une structure. Elle se maintient, votre héroïne se maintient tout le temps. Il n'y a pas de jauge d'endurance, même s'il aurait pu rajouter un petit peu de difficulté au gameplay. Chaque grosse structure comprend à la base 3 livres et un kit de survie. D'autres livres sont disséminés dans le monde. Donc pour tout récupérer, vous vous doutez bien qu'il va falloir investiguer. Tout passer au peigne fin avec la longue vue. C'est pour ça qu'il faut environ 5 ou 6 heures pour tout récupérer. Voilà, là je suis bloqué comme une merde, je sais pas pourquoi je suis monté autant d'ailleurs. Voilà, ici je descends. Donc il faut vraiment chercher son chemin, mais il n'est jamais très compliqué. Ensuite à vous de voir si vous voulez d'abord récupérer tous les bouquins, parce que si vous récupérez le kit de survie, vous revenez à la base. Il faudra alors regravir la structure pour récupérer les bouquins. Petit conseil, récupérez d'abord les bouquins, hein, et ensuite seulement aller chercher le kit de survie. Certains chemins sont relativement bien planqués, voilà, comme ici par exemple. Il faut quand même voir qu'on peut descendre par là. C'est pas non plus ultra visible. Mais voilà, c'est pas prise de tête pour un sou. Par ici, voilà. C'est vraiment pour se concentrer sur la recherche pure, bien plus que sur une éventuelle jauge d'endurance, des sauts un peu mal calibrés. Bon, on sent aussi le souci de facilité des développeurs qui n'ont pas voulu se prendre la tête et permettre à tout un chacun d'avancer à son rythme dans le jeu. Vous n'allez jamais tomber. Vous n'allez jamais rencontrer une créature qui va vous tuer. Donc c'est uniquement de la recherche pure et dure. Et là, j'entends déjà les hardcore gamers qui vont me dire « Oui, mais on s'emmerde parce que finalement, on fait toujours la même chose. » C'est pas faux. C'est pas faux dans le sens où, effectivement, si on ne rentre pas dans la poésie du soft, on se fait royalement chier. En fait, on passe d'une grosse structure à une autre. On peut rusher le jeu en 2 heures montre en main. Mais ce serait dommage parce que, mine de rien, il y a beaucoup de choses à récupérer et beaucoup d'histoires à interpréter. Donc... voilà, c'est un petit peu comment on le sent. Un bon conseil, si vous avez l'occasion, essayez-le. Vous voyez, si vous rentrez dans la poésie de l'histoire et du monde, qui est vraiment, pour un jeu indé, fait par 6 personnes, bon sang, c'est assez incroyable. Bien évidemment, il faudra passer un petit peu outre certains soucis d'animation, comme on vous l'a expliqué. Mais le jeu n'est à aucun moment frustrant. C'est vraiment purement de l'exploration en bateau, de la recherche d'immeubles, et puis de l'escalade d'immeubles. Bon là, malheureusement, je suis déjà arrivé au bout, et il me manque un bouquin. À moi de le trouver. Il y a plein de choses qui rendent l'environnement vivant. Regardez ces nuages de moustiques. On y croit. On y croit à 200%. On cesse parfois bercé par ce monde. On veut savoir ce qui lui est arrivé. Et apparemment, en fonction de ce qu'on a pu récupérer, on imagine un peu tout et son contraire pour le soft, pour l'histoire du soft. Et ça, c'est bien. Bon, on va récupérer, voilà, notre chère balise. On va avancer dans l'histoire. Tant pis, on reviendra dans l'immeuble pour récupérer les 2 bouquins qui nous manquent.
Alors vous voyez que notre héroïne petit à petit se fait un petit peu intoxiquée, ou par l'air ambiant, ou par les plantes. Ça se voit surtout dans le fait que de plus en plus de mutants, puisqu'il y a des mutants dans ce monde, attendent autour de mon foyer, en fait, de l'hôtel que j'ai pu trouver. Vous voyez ? Ces fameux mutants. Ils attendent, ils sont prêts, ils sont à la guet. Comme s'ils m'attendaient de moi, que je me transforme pour ensuite me prendre. Mon frère, lui, n'a pas l'air de couver cette maladie, mais moi, oui. Et du coup, voilà, on s'éprend un petit peu de ce destin d'une héroïne qui veut juste soigner son frère, mais qui le fait au détriment de sa santé. Et la fin est assez poignante à ce niveau, on vous la conseille. Donc voilà, ce Submerge est vraiment une bonne surprise indé. Après, il faut quand même mettre une demi-mesure, certaines animations sont un petit peu foireuses. Suspense. Il y a 2-3 petits bémols, la vitesse de l'héroïne, son animation, la répétitivité de l'ensemble. À chaque fois, il faut aller vers une structure pour ramasser un type de survie. Bon, il n'y a pas des masses de changements dans le gameplay, c'est un peu toujours la même chose. C'est vraiment, si vous êtes un explorateur dans l'âme, que vous voulez trouver tous les bouquins et apprendre l'histoire, c'est vraiment un très bon soft. Si vous vous laissez bercer par la poésie du jeu et son petit prix, allez-y à fond. Nous, en tout cas, on a vraiment adoré ce Submerge. Moi, je lui mettrais un 16, voire un 17 sur 20, à cause de ses petits écueils, mais la poésie opère. Et le fait qu'il soit développé par une petite équipe, très sincèrement, on ne peut que les féliciter. Donc, à acheter, si vous êtes un poète dans l'âme, si vous aimez l'exploration, et que la répétitivité de l'action ne vous fait pas peur, allez-y à fond. Mais il faut vraiment y aller pour dire de tout débloquer. Si vous voulez rusher le jeu, ça ne sert à rien, le rapport qualité-prix sera un petit peu dommageable. Mais pour récupérer tous les bouquins d'histoire, comprendre l'histoire du monde, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Il y a un vrai voyage à se faire, assez incroyable, regardez-moi ce ciel. On a chaque fois émerveillé face à la beauté de la nature, et Submerge l'a bien compris en nous montrant la beauté de la mer, et à la fois sa mélancolie inhérente, et son côté un petit peu dévastateur, le retour à la nature, de la civilisation, voilà. C'est un trip à se faire, très sincèrement, moi j'ai vraiment bien aimé. Notre rédactrice Lady Disturb, elle a adoré. À vous de voir où vous situez en termes de gameplay et en termes d'appréciation d'un univers poétique. À très bientôt sur animeus.com. On vous adore. Ciao.